Port-au-Prince, capitale Haïti, qui gagne une superficie 36,4 km², depuis plusieurs mois, encerclée avec divers groupes armés Cap-Simayela Troublaye dans quelques zones qui environnent, parmi eux, Matissan, Fontamara, Corde-Bouquet, pour ne citer ça seulement. Situation insécurité ça déjà mettait de l'eau dans le mi-temps plusieurs familles haïtiennes viennent piment gommé après yon élatrier revendication nèg exam illégal après réclamer dans quartier défavorisé yo qui gen pour ak activité sociale, économique ak politique. Et staff Amé Sayo qui reprochait administration publique haïtienne selon quelques moun k'ap fourni jegade servi ak divers canaux pour faire voyer passer pendant quelques secteurs utilisés pour gérer besoins personnels. Un chef de gang, c'est un monde lié, c'est un emailier. Donc, les médias, ils ont un monde parler. Parler dans la presse, c'est un moyen lié pour l'État à résoudre le problème gang là. Yon liberté la parole qui ajoutait influence individu à Meyo, surtout dans le quartier populaire, selon le journaliste Clarens Renois, ces résultats qui montraient à clair faiblesse de l'État haïtien, particulièrement les médias traditionnels et divers médias en ligne qui souvent alimentés sur les réseaux sociaux, déclarations ou bien discours nèg Cap-Simayela Pérez dans mi-temps population haïtienne. Toutefois, coordonnateur parti politique uni l'en fait connaître, il y a trois manières secteur la presse là capable de servir pour contrecarrer des risques là à travers une instance régulateur. Il y a trois types d'instances qui veillent au comportement de la presse. Première instance, c'est les médias côté presse, les journalistes qui travaillent là. Deuxième instance, c'est l'association médias, l'association journaliste. L'association journaliste est là pour ça. Parce qu'on journaliste est membre de l'association. L'association a deux travail fait. Il défend droit journaliste, mais il doit punir journaliste à tous si journaliste enfreint des lois. Et puis, l'autre instance, c'est la justice normale. Tout journaliste, ils sont simples citoyens que liés. La justice doit interroger. Commissaire gouvernement, nous avons un journaliste qui est un chef gang balé, il pose aux questions pour qu'on ait une relation avec lui. Puis loin, fondateur agence en ligne Haïti Presse Network là, continue pour dire groupe professionnel ça yo doit éviter malépandie ça, capta et banda dans société a qui selon lui représente une menace pour démocratie haïtienne. Dans ce sens, Clarence Renoir encouragé pour acter la pression, servir tête yo comme bouclier pour protéger ceux-là qui plus faibles contre Zach immoral. Parce que vous voyez un mauvais signal, les jeunes qui ont regardé, ils doivent penser dans la tête, ça son modèle pour le suivre, pour faire même bagarre là. Pour qu'ils soient interdits, un bandit affiché publiquement, pas seulement dans les médias traditionnels, mais dans les médias sociaux. Parce que justement, ça l'a fait aller illégal. Il doit représenter un danger pour toute société. Et c'est dans le même genre, tout, ils interdit ou bien déconseillé que ou prend modèle Sam Dagaldobral sur la place publique ou ballon récompense. Parce que monsieur son homme brave, il fait ci, il fait ça, il kidnappe un monde pendant combien de jours et ou va l'exposer? Non, ou pas qu'à exposer monde ça dans le public. Sinon, ou va prendre société ou virer le tête en bas. Ou va dire ou renverser les valeurs sociales. Ou pas qu'à renverser les valeurs sociales. Selon un article à Ibopost publié dans le mois octobre 2019 passé, Konatel a 350 stations radio qui ont fonctionné légalement dans 10 départements géographiques en Haïti. De l'autre côté, Haïti a 95 groupes qui ont des armes illégales dans Mayo. Parmi les staff Silayo, 76 a opéré chaque jour selon le rapport Commission nationale des armements, démantèlement, réinsertion CNDDR. N'a rappelé que la presse à travers les médias traditionnels s'est contribué dans le développement social, économique, éducatif, politique et culturel dans la communauté qui a évolué. D'informer et diffuser information qui jita sur la vérité, même si parfois certains là-dedans ont une épée Damoclès sous tête.